Excusez-moi. Bonsoir. Oh, bonsoir. Désolé, je vous avais pas vu. Par contre, je suis désolé, mais le bar va bientôt fermer. Oh. Et il serait impossible de faire une exception pour un vieil habitué. Un vieil habitué? Je vous ai jamais vu ici, par contre. Je suis désolé. Oh, auparavant, c'était avec Alan, de mon temps. Ah, mais vous connaissez Alan, du coup. Ah, bah parfait. Qu'est-ce que je peux vous servir, du coup? Eh ben, si vous servez encore de nos jours un bon Glen Lawson, ce serait vraiment impeccable. Ah, oh, bah bien sûr, je vous amène ça tout de suite. Merci bien. Et voilà pour vous. Merci beaucoup. Vous avez la tête de quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses. Et qui n'a pas beaucoup dormi d'ailleurs. Et pourtant, je n'ai que 28 ans. Vraiment? Bah, c'est le fait de beaucoup travailler qui doit me donner cette tête-là. C'est le fait de jouer avec les chiffres, ça m'épuise. Ça réduit mes nuits et du coup, ça me creuse les cernes. Mais vous travaillez où? Par simple curiosité. Eh bien, ces dernières années, j'ai travaillé un peu tout autour de l'Europe. Dans le monde de la finance, j'ai eu l'occasion de découvrir les différentes bourses européennes. Ah ouais? Putain, vous savez que c'est vraiment mon rêve en plus. Une fois que j'aurai fini mes études, je partirai de Belfort, j'irai m'installer à Londres et je me lancerai dans la finance, un peu comme vous. Mais qu'est-ce qui vous amène à Belfort? Eh bien, j'ai grandi ici et j'ai une très chère connaissance là. Vraiment? Vous avez vraiment la foi de faire tout ce chemin pour revenir ici? Vous avez dit que vous travaillez à l'étranger, c'est ça? C'est ça. Je comprends pourquoi vous êtes parti. J'ai eu beaucoup de choses à abandonner pour quitter Belfort. C'est-à-dire? Eh bien, par exemple, ma famille. Je sais pas ce qu'il en est de la tienne. Ça va, mais je me vois mal continuer de vivre à la maison encore quelques années. J'ai besoin de partir. Tu pourrais regretter. De quoi? Ne pas les avoir assez remerciés. Pourquoi les remercier? Je travaille dans ce bar pour payer mes études. En plus, je finis tard. Je vais vivre avec eux, rentrer avant la nuit. Et je veux mon propre appart. Pouvoir vivre ma vie. Mais ma liberté, ils ne me la laissent pas. Et tu es sûr que s'ils te font ça, c'est par choix? C'est vrai qu'à la maison, niveau thunes, c'est chaud, mais... C'est pas une raison pour ne pas viser haut. Mon indépendance, j'ai envie de l'avoir. Si je reste par ici, je me décevrai. J'ai des rêves à poursuivre dans 3 ans, je te dis. Je m'en vais autre part, dans un autre pays. J'aurai enfin de quoi m'en sortir par moi-même. Pour l'instant, c'est là-bas. Il y a trop de problèmes. Tu sais, comme toi, j'ai aussi eu pas mal de problèmes avec mes parents. C'est-à-dire? Eh bien, il y a 2 ans... Quand je travaillais à la Bourse de Londres, je suis rentré un soir et j'ai reçu un coup de fil de mon père qui voulait m'annoncer qu'il était au chômage et qu'il était en difficulté. Et ce soir-là, bah, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, du coup j'étais vraiment réticent à lui répondre. Je n'ai pas eu l'occasion de lui parler cette soirée-là et on n'est pas arrivé à en parler et je m'en veux vraiment beaucoup. Ah ouais. J'imagine que c'était dur pour vous, mais vous avez dû faire un choix. Des choix. J'en ai fait des choix. Et par exemple, des choix sentimentaux, j'ai eu à en faire. Toi, avec ta copine, ça se passe comment? Bien. Pourquoi? Ben, typiquement, moi par exemple, j'ai eu à faire un choix très, très dur avec ma copine. Je partais travailler à Londres, elle n'avait pas la capacité de partir à Londres, elle avait trouvé un travail en France, et du coup, bah, elle est restée en France, je suis parti à Londres, je te laisse deviner la suite. Ça faisait longtemps que vous étiez ensemble? Ça date, ouais. Vous avez cherché à retrouver quelqu'un depuis? Non, même pas vraiment. Même pas aussi à trouver le temps de sortir. C'est pas franchement comme ça que j'imagine. Attendez, vous plaisantez. Vous travaillez à Londres, c'est la ville la plus dynamique du monde. J'imagine que vous gagnez bien votre vie, enfin, tout le monde voudrait être à votre place, quand même. Mais à quel prix, Joe? À quel prix? J'en ai sacrifié des trucs pour en arriver là, j'en ai vraiment sacrifié. Qu'est-ce que vous regrettez alors? Mais je regrette des rencontres qui n'ont pas eu lieu, je regrette
des relations familiales qui ont échoué. Et tout ça pourquoi ? Un compte en banque bien rempli, quoi. Bah, à mes yeux, avec un compte en banque vide, c'est presque impossible d'être heureux. Par exemple, si j'étais à votre place, je sortirais avec mes collègues, je partirais en vacances avec ma copine. Enfin, j'en profiterais, j'en aurais les moyens, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'êtes pas d'accord ? J'ai été d'accord. À ton époque, je l'ai été. Mais tu pars sur les mêmes erreurs que moi. Les mêmes erreurs que vous ? Enfin, qu'est-ce que vous en savez ? Vous me connaissez pas ? Non, c'est bon. En tout cas, merci pour le verre.